En 1993, avec mes parents, on s'était rendu à Rostock. L'Allemagne avait décidé de renvoyer vers l'ex-Yougoslavie qui était en guerre des milliers de Roms et de Sinti. Alors là, avec mon père, on avait décidé de se rendre en bus à Rostock pour apposer une plaque sur la mairie de Rostock, rappelant qu'elle avait été la tragédie des Tziganes pendant la guerre. Donc je me suis engagé pour les Roms. Mais à l'époque, il s'agissait de renvoyer des Roms vers l'ex-Yougoslavie, où les milices armées, eh bien, auraient fait courir des risques énormes aux Roms. Aujourd'hui, les attaques, en parlant de taches de honte sur le drapeau français ou en parlant de Vichy, sont complètement outrancières. C'est-à-dire, et la plupart des médias suivent, parce qu'ils sont opposés au chef de l'État, mais il n'y a aucune raison objective. Ceux qui sont renvoyés sont en situation irrégulière ou ont commis des délits vers un pays où ils ne courent aucun risque, et en plus, ils reçoivent 300 euros. Alors, je ne vois vraiment pas où est la tâche de honte.